Et comme annoncé en début de ce journal, nous recevons sur ce plateau en direct le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Mahmad Saleh Haroun. Une fois de plus, monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, à partir de demain, 2 novembre, débutent donc les activités du mois du livre. C'est donc une initiative inédite au Tchad. Absolument, oui. C'est le mois du livre et de la lecture. De la lecture, voilà. C'est parti d'un constat assez simple, parce que quand je suis arrivé en fait à la tête de ce département, j'ai eu à visiter la Bibliothèque nationale et j'ai été peiné parce que j'ai trouvé les rayons de cette bibliothèque complètement vides. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Le deuxième constat, c'est que je vois le niveau baissé. Il y a un illettrisme qui ne dit pas son nom. Je vois des jeunes qui ne maîtrisent pas totalement la langue de travail, que ce soit l'arabe ou le français. Et il est évident que quand on ne maîtrise pas vraiment l'outil de travail qui est la langue qu'on utilise au quotidien, on arrive difficilement à exprimer ses idées, on arrive difficilement donc à convaincre, et celui qui n'arrive pas à exposer tout simplement ses propres idées a des problèmes en fait pour convaincre les autres. Donc pour sortir de cette médiocrité-là, on a décidé d'organiser ce mois du livre au mois de novembre, ça va durer un an, c'est pour familiariser et inciter les Tchadiens à lire. Un an ou un mois ? Un mois, pardon. Voilà. Peut-on donc parler d'une industrie du livre au Tchad ? Sinon, quels sont les défis à relever pour mettre en place cette industrie ? Oui, enfin, il y a des maisons d'édition, mais il faut un cadre juridique. Je pense que les maisons d'édition n'ont pas toujours les moyens pour acheter les droits, parce que moi qui ai commis un ouvrage, je sais que mon éditeur en fait m'a versé des droits avant d'acheter mon manuscrit. Et il me semble que les maisons d'édition ne sont pas peut-être assez puissantes financièrement ici au Tchad pour en fait acheter les droits, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui est venu nous présenter une facture émanant d'un éditeur local qui voulait le faire payer. Donc je pense qu'il y a une professionnalisation à faire, et on en discutera au cours de ce mois-là qui va durer donc 30 jours, du 2 au 30 novembre. Il y aura des conférences, débats, des rencontres, des lectures publiques dans des établissements scolaires avec des écrivains tchadiens. Et donc on soulèvera cette question-là et on essaiera de réfléchir un peu sur comment trouver un cadre qui épanouira un peu tout le monde et où tout le monde trouvera un peu ses petits, parce qu'il ne faut pas qu'on laisse qui que ce soit. Il faut que les éditeurs trouvent leur intérêt et que les auteurs, eux aussi, trouvent leur intérêt. Et quel sera le message phare qui sera donc livré à l'occasion donc du lancement officiel des activités de ce mois ? Écoutez, le message phare, c'est que donc demain, à l'inauguration de ce mois du livre et de la lecture qui aura lieu à la Bibliothèque nationale, on va remettre 3000 ouvrages neufs qu'on a pu avoir par mon éditeur Gallimard en France. On a une convention qui nous permet d'avoir tous les ans pendant 5 ans 2000 ouvrages neufs. D'ici 5 ans, on aura 13 000 ouvrages dans cette bibliothèque. Le message, c'est de dire à partir de la semaine prochaine, les jeunes Tchadiens peuvent venir à la bibliothèque, prendre un abonnement, pouvoir lire, et c'est très important. Parce que jusque-là, ce n'était pas le cas. On était obligé d'aller soit à l'IFT, mais on n'avait pas de bibliothèque nationale. C'est un début. On a essayé de faire ce qu'on a pu. Et pour cet événement-là, vous savez, on fête cette année le 90e anniversaire de la naissance de notre père à tous, Joseph Brahim Seyd. Et à cette occasion-là, nous avons, le ministère a fait rééditer cet ouvrage, c'est la nouvelle couverture. Et ce mois du livre lui rend déjà hommage. Absolument. On rend hommage à Joseph Brahim Seyd avec une exposition et avec ce livre qu'on a réédité et qui sera donc distribué à toutes les bibliothèques qu'il y a dans certains établissements à N'Djamena et au Tchad
pour que en fait les Tchadiens puissent redécouvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas, cet ouvrage qui nous a bercé nous pendant longtemps et qui nous a donné envie à nous mettre aussi à écrire. D'accord. Et après cette première édition qui durera un mois, qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir encourager les jeunes à la lecture? Parce que ce n'est pas ancré dans la culture tchadienne. Justement, ce n'est pas ancré, mais en fait, celui qui ne lit pas, parce que dès lors qu'on va, en fait, on est scolarisé, qu'on va à l'école, on travaille dans les bureaux, dans la fonction publique, dans les sociétés privées, on travaille dans une langue. Et si on ne maîtrise pas cette langue-là et si on ne lit pas, on limite son vocabulaire. Celui qui limite son vocabulaire, en fait, finit par répéter à un moment donné des choses ou des mots dont il ignore même le sens. Je voudrais prendre un exemple et donner une petite leçon à tout le monde. Au Tchad, on a l'habitude de dire 88. Or, dans le chiffre, le nombre 88, il n'y a pas de 28. On dit 88, 89, 90. Si 88 était 88, on dirait 88, 89, 80, 30. D'accord. Ce n'est pas le cas. Donc, et on a tous répété cela parce que le premier enseignant nous l'a dit et on a pensé que c'était vrai. Donc, il y a des petites choses comme ça que la lecture peut en fait nous aider à rectifier, et elle nous aidera aussi peut-être à mieux structurer notre pensée, et plus que tout, je pense qu'elle développe chez les gens un esprit critique. Et ça, c'est très important pour être un bon citoyen. Il faut avoir cette capacité d'avoir un esprit critique, c'est-à-dire prendre de la distance ou du recul par rapport aux choses, ne pas réagir avec son affect, essayer de penser, donc de réfléchir, et tout ça, ça vient de la lecture, parce que le livre, c'est une source de connaissances. D'accord, vous avez parlé tout à l'heure des écrivains. Quel sera leur apport au cours de ces activités qui démarrent demain? Alors, on a les écrivains. Alors, notre invité d'honneur cette année, c'est Noël Netonon-Djekeri, qui sera là à partir du 6 pour ouvrir l'exposition sur la vie et l'œuvre de Joseph Brahim Seyd. Mais au-delà de lui, il y a des écrivains tchadiens qui seront nombreux à aller dans des établissements scolaires, qui vont lire des extraits de leur ouvrage et qui vont parler en fait de leur amour de la lecture et qui vont parler de comment ils sont devenus écrivains. Tout ça, c'est pour en fait essayer de susciter chez les jeunes l'envie de lire, parce que dans les livres on découvre tout un monde, et je pense que lire, c'est essayer d'aller vers la lumière. Donc c'est très très important, et celui qui lit, vous savez, s'enrichit toujours. Celui qui ne lit pas s'appauvrit, et celui qui s'appauvrit en termes intellectuels, c'est celui qui est faible quand il est sur le plan international, dans les négociations et tout ça. Et il nous faut sortir de cette médiocrité, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et ce mois du livre, on espère en fait le pérenniser. Il y en aura un autre l'année prochaine, et ainsi de suite. Voilà, monsieur le ministre, une autre question. La culture, ce n'est pas que la littérature. Quelle est votre vision, n'est-ce pas? Et quelles sont vos ambitions à mettre dans ce domaine vaste et diversifié? Oh, vous savez, en matière de culture, il y a tellement de choses à faire au Tchad, parce que, vous savez, on a très peu d'écrivains, on a très peu de cinéastes, on a très peu de musiciens connus sur le plan international. Par conséquent, tout reste à faire, c'est un chantier, et on ne peut pas mener tout de front, mais on a essayé de mettre comme ça des jalons. Il y a eu un rendez-vous avec la musique. Ce rendez-vous avec les musiciens, on va essayer d'avoir un autre rendez-vous avec les gens de théâtre. Mais la vision, c'est tout simplement en fait de rendre les Tchadiens peut-être fiers de leur culture et de se mettre à la recherche de leurs propres racines, et non pas seulement à devenir et à rester en permanence des copieurs, c'est-à-dire copier la musique version un peu congolaise, dansante, ou la musique soudanaise. Donc, d'accord, il nous faut trouver quelque chose de plus original, qui nous ressemble et qui parle vraiment de nous-mêmes. Je pense que c'est cela qu'on va essayer de mettre en place. Mais j'arrive après 57 ans d'indépendance, il y a des pratiques et des habitudes. Je ne pourrais pas changer ça en quelques mois. D'accord, puisque nous parlons effectivement de la musique, un mot sur le festival du jazz international qui aura lieu le 3 novembre. Oui, c'est une très bonne initiative. Moi, je suis un adepte de jazz. Je regrette de ne pas avoir pu aider ce festival-là, parce qu'on n'a pas les moyens, tout simplement.
Et puis la demande est arrivée un peu en retard parce que vous connaissez, vous êtes à la fonction publique, le temps que le circuit se fasse et qu'on ait en fait les financements pour ce genre de festival, ça prend beaucoup de temps et à la fin, on se retrouve le bec dans l'eau. Donc je regrette et je serai demain à l'hôtel Radisson pour voir HSAO avec grand plaisir. D'accord. Voilà, et je souhaite vraiment bon vent et beaucoup de courage et bonne chance. C'est des petites bougies qu'on allume un peu à N'Djamena. Mm-hmm. Et vous savez, une bougie, c'est toujours très joli. Donc il faut encourager ce genre d'initiative. Merci, Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition avec notre invité du journal. Et ce soir, donc, nous avons reçu Mamat Saleh Haroun. Il est le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Téléchat. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.